folklore mongo. Oh, ça te rassure pas, mongo. Mongo, ya solo, solo, bangoyeyo. Ah, j'aime cette musique, franchement. Hey! Alors, voilà. Le folklore mongo, voilà. Octave Konzo, je te salue, mon frère. Très cher compatriote congolais et congolaise, je vous salue, non seulement Jésus-Christ et Dieu du Poussin, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions analyser des éléments que nous avons eu à trouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, au sommaire, il y a deux points essentiels. La Rwandaise, toute Rwandaise, Jeannette Kabila, convoquée par la DEMIAP. Le taux se resserre contre Kanambe. Moi, c'est qui exacté? C'est le dernier mandat. Fachi Betobo, dernier mandat, c'est le deuxième mandat. Voilà. Alors, non, c'est le deuxième terme du mandat. Non, ça va errer trop. Deuxième terme du mandat de Fachi. Voilà. La levée du moratoire de la peine de mort. Au moment où je vous parle, la peine de mort est rétablie. Je n'ai pas dit établie. Rétablie parce que ça existait avant. Tourbé, Tamasson, Amo, Awatou et tout. Et puis, moi, information que je suis récupérée par-ci, par-là, on va en parler. Alors, laissez-moi d'abord, comme d'habitude, Namekako, Betamwa, Masolo, Yaba. Ma commentaire, il y a Baninga, ma Komelingaï. Big Master Valérien, il me félicite. Courage à toi, grand patriote. Merci beaucoup. Il me félicite pour mon vrai panafricanisme. Merci beaucoup. Imebasuka, je cherche ton nom, ma chère. Je cherche ton nom, merci beaucoup. Revenons ton réveil, merci beaucoup. Marie-Jeanne Mutombo, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci, merci pour ton analyse. J'étais contente de voir que tu as vu aussi les analyses d'Alain Foucault. Moi aussi, je suis beaucoup de ses émissions. Vraiment, c'est un journaliste qui parle de l'Afrique. Quant à vous, papa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tim Junior, il dit ceci, Augustin Kabuya doit faire un bon casting pour l'accompagner dans ses fonctions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Makobolaï, Alobi Boye, pour le secrétaire général, il faut Alanda Yo à quoi éviter certaines erreurs. Coup de chapeau à vous. Oui, donc c'est ma conseil. Et ça, erreur, un homme politique, il doit se rebiffer. Asenga, pardon, Maloba, que n'a su de Kassaye, bah, détracteur naye, bah, ennemi nabiso, bah, qu'on profite. Et ça, bien t'es. Alors, Victorienne Mouyamba, Alobi Boye, elle me suit, chaque matin, elle me suit. En tout cas, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Elle dit, je suis de l'UDPS. Bravo, bravo. Félicitations à toi. Deux fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Évidemment, nous sommes de l'UDPS. Ce n'est pas la pensée unique. Que Dieu ne nous donne que ses opinions, qui ne sont pas forcément les vôtres. Voilà, c'est un peu ça. Donc, bravo, maman. Alors, avec toi, mais j'essaye de trouver des arguments pour apporter mon apport à la réflexion. Voilà, c'est ce que font des intellectuels pour avancer. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, maman Marie-Jeanne Kalongi, je salue. Alors, elle insiste beaucoup plus, elle dit ceci, la nouvelle génération ne connaît pas l'histoire de notre pays. Les anciens intellectuels, encore moins. Nos manuels scolaires contenaient l'histoire occidentale et américaine, ce qui correspondait déjà à la démarche de la balkanisation. Les ouvrages étaient destinés à former des aliénés mentaux. Bravo, maman Marie-Jeanne Kalongi. Des gros bisous à toi. Encore. Voilà. Merci beaucoup. Le changement des ouvrages et du programme scolaire s'impose. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Ouais, voilà. Donc, Zadio, Zadio Kazadi, mon frère Zadio, Zadio, je te salue, mon frère. Il dit ceci, il m'informe que Anthony Tshisekedi est membre de l'UDPS. Il était aussi très actif dans les stratégies lors de la campagne présidentielle. Ouais, pour la campagne présidentielle, ça c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Campagne présidentielle, Nayeli Yango, je l'ai vu. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme je ne l'ai pas encore vu dans ma activité, il y a UDPS. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Ils doivent se faire visibles. La politique marche de pair avec le média. Donc, quand il est peut-être dans une cellule ou bien dans une section à Kinshasa ou dans une fédération, qu'il soit très actif dans l'activité à partie. Et actif dans les médias, c'est très important qu'il copie son père, ce que son père a fait. Félix Tshisekedi a gravi tout, avait gravi tous les échelons. Il y a parti à Bandaki na section en Belgique, tiens au coma et Sigazali. Donc voilà un peu. Et puis, mon conseil n'était pas seulement pour Anthony, ça c'était pour toute la famille, tous les enfants, environ tous les petits-enfants de Tshen Tshisekedi, Wamulumba. Alors, voilà. Il y a mon frère ici, Moutoupe, Moutouta Lobby, Awa, Kenji, autant Olobaga que ton émission est là pour choquer l'élite congolaise, autant il faut comprendre les propos de Kabuya du moment. Bon, mon frère, écoutez, Kenjo, j'étais un libre penseur, membre de l'UDPS. Ce qui a commis le secrétaire général à l'UDPS, n'a obtenu sous ma langage ou dans la montée. Je vais mesurer mes langages. Je ne vais plus parler pour choquer les gens. Là, maintenant, je dois savoir préserver l'opinion autour de moi. Parce que l'opinion, c'est ce qui accorde le pouvoir. L'opinion, il y a un lien entre l'opinion et l'électorat. Il y a un européen au pouvoir. Voilà. Donc, ce qui a commis un niveau à secrétaire général au Kisé Kabouya, je ne parlerai plus pour choquer les gens. À moins que j'ai dans un groupe moraux restreint. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère Jean Kapinga Kabambawa Kachama, je te salue, mon frère, un grand combattant, la Pessiombote en Belgique, la Pessiombote, Bana Congo est avec nous. Voilà, nous sommes ensemble avec Bana Congo. Donc voilà, Béotim m'a fait une pétition propre, je te salue là où tu es. Voilà. Alors, Ndegolanga Mokoboye a commis Joseph Kisabo. Joseph Kisabo a le Boye. Ndego Kenzo. Tout le monde a battu, oh, bah, ça, Poutine, c'est-à-dire, bah, Russe. Russie, et ça, là, 30 ans, Angola. À ça, là, et le côté, kakako, yiba, ma banga, ya talo, c'est-à-dire, diamant. Angola, et y'a côté, les matango, États-Unis, et Koti, et Kota, les lots, Angola, et Komamboka. Pè, ça, bah, conseil, bah, y'a raté, dans le bar, bah, y'a raté, bah, y'a. Voilà. C'est un peu ça. Il y a un autre commentaire ici, là, on m'a... voilà, Nani Ndekomoura, puisque... Robert Mukendi, c'est l'ami, ça le dit que non, Claude Nyamugabo est un chi du Sud Kivu, c'est un mouchi, il est différent de Nyarugabo, Nyarugabo, Moïse Nyarugabo, Aza Rwandais. Merci beaucoup la clarification, Nayo. Naibite Soussouri, Nani, Naibiawa, voilà. Alors, il y a mon frère Willy Kajimina. Il m'a écrit un long commentaire. J'ai aimé son commentaire. J'ai lu ton commentaire, mon frère. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'il dit? Azor Opé, ça conseille Azor Bagara que non. Moi-même, je ne suis pas de cette génération que vous voulez enterrer ou supprimer. Dans cette génération de Titi, nombreux sont des compatriotes qui ont perdu leur vie. Qui sont opposés à Mobutu, quand il a parlé de la pendaison, martyr de la Pentecôte, Koudiagou Banza, tout et tout, je connais l'histoire Wana, c'est la raison pour laquelle il y a la peur qui s'est installée à eux. Sauf que Étienne Tshisekedi n'avait pas peur. Je reconnais cette histoire-là. Alors la peur, tant que c'est installé là-bas, c'est ce qui a permis à Mobutu de foutre le pays en l'air. Voilà, donc, qu'est-ce que tu en sais, ami? Et le ce que tu as dit dans la conclusion, tu dis ceci. La génération spontanée n'existe pas. Elle doit toujours se référer aux erreurs et aux points positifs de la précédente. En fait, la génération de nos parents, il y a beaucoup plus d'erreurs que de points positifs. Voilà. Maman Francine Esther, la petite beauté, elle dit ceci, Nani,
Lukwebo, Bati Lukwebo, nous t'avons à l'œil, Kebanayo. RDC Logo Makasi, Apesi, Poutine, Russe Poutine, Woto Woto Pro Max. Je suis très contente pour la nouvelle. La RDC a signé des accords. La RDC a signé des accords avec la Russie, n'importe quoi. La RDC n'a pas besoin de Poutine. Point barre. Voilà, c'est ça un peu ça. Alors, mon frère André Makiese, ouais, un peu en retard. Oui, excuse-moi, je devais sélectionner des éléments. Excuse-moi pour le retard, mon frère. Voilà, merci beaucoup. Nazar Soudanani, Jean Betou, je te salue. La pression beauté, na dengue au PC, voilà. Je ne suis pas pro américain. Je suis pro Congo. Na respika ona munoko nini. Na bande la lissousse. Quand nous sommes venus trouver les Américains, tokuti ba Américains, ba Occidentaux, qui nous tiennent à la gorge. Voilà. Alors, le conseil de Kenzo, c'est quoi? Les Occidentaux, là, sont des Blancs. On va pas aller chercher d'autres Blancs. Oh, les Chinois, oh, les Russes, pour venir nous délivrer. Ils vont jamais nous aider à nous délivrer. Jamais. Ça, c'est l'utopie, ça. Ça, c'est être naïf. On va se défaire des Américains, des Occidentaux, nous-mêmes. Comment ça va se passer, comment? Allez lire l'histoire des talibans en Afghanistan. Ils ont vaincu les Russes. Ils ont vaincu les Américains pour la première fois. Après la troisième fois, ils ont vaincu la coalition occidentale. Voilà, ils sont au pouvoir maintenant. Donc, ils ne sont pas des extraterrestres. Ils ne sont pas plus intelligents que le Congolais. Pas du tout. Alors, voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a aussi un commentaire, il y a Isidore Kabashi, je te salue mon frère, j'ai lu ton commentaire, très intéressant, écoutez ce qu'il dit, il dit ceci, il a lu un autre commentaire, il me dit, auparavant je suivais beaucoup les communicateurs, il y a entre autres, que vous connaissez, Chancela, Kalonji, Lumbu, Mubenga, poste l'autre. Mais le jour où je vous ai suivi, sincèrement, j'ai été attiré. Les autres communicateurs ne s'intéressent pas aux intervenants. Bachara, numéro, nabaro. Et ils mettent des titres, mais le contenu, c'est autre chose. Kenjo, ce n'est pas le cas. Bon, mon titre, Nachaki, l'émission passée, dans le bien c'est contre les Russes. Et j'en ai parlé. Je sais que ma peau russe m'a fâché ma bé. Et je savais que ma peau fâché ma bé. Naïebi. N'aïdi que la propagande russe marche très bien. Voilà. Alors, Nerolanga, j'ai lu ton commentaire. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et puis, à la fin, tu me dis de faire l'émission en français. Non, mais parce que le Lingala... Non, mais je mélange le français et le Lingala. Ce sont les deux langues que je maîtrise le mieux. Et puis, nous sommes sur les réseaux sociaux. Le français, c'est plus vite compris dans Naba... algorithme yabatoyo donc yaba YouTube yo. Donc il y a certains termes sur nanga loba il faut qu'ala kena lingal voilà c'est un peu ça si je voilà c'est un peu ça Nibunamae. Alors Jean-Marie Tibangu et mon vieux papa Kaninda bango pina zaina bango pina interaction na bango c'est très important pour te partager tu ba penser na bango. Alors papa Kaninda que je salue Beto Abubukulumpa je te salue. Alors lui surtout pour le problème de la génération, comme j'ai dit que leur génération, la génération de Papa Nabisso, et ils n'ont rien foutu au pays, ils n'ont rien à nous dire. Voilà, évidemment, moi, je l'ai dit à mon père, hein, s'il vous plaît, mon défunt père, Naye Bisaer. Alors, Papa Kaninda, je vais vous dire ceci. La fin justifie les moyens. C'est tout. Les résultats de votre génération, n'appelez pas résultat à la génération Nabino. Faillite de la Jekamine, faillite de la Miba, faillite de Onatra, faillite y a NCC, faillite y a Kilomoto, des pillages, la corruption, pas d'armée, un président rwandais pendant 18 ans, l'exode de Congo. Tu te moques de moi parce que je viens en Angleterre, n'est-ce pas? Mais c'est ça, ma résultat n'a bino yangwana. Génération sacrifiée, yabiso, yango, c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici. Moi, je suis pas content en étant ici. Je ne suis pas content. Voilà, donc, résultat de la Bible, il y a moi, échec,
vous avez échoué. Papa Kanida, vous avez échoué. Évidemment, vous avez quand même eu des points positifs. Entre autres, Etienne Tshisekedi, ou Amadi Sikomba, ou tout le continent, c'est 20%. C'est tout ça, globalement, il y a 80% de points négatifs. C'est ça. Congo, il y a moi aussi. Alors, quand on parle de la spiritualité, Papa Kanida, mais la spiritualité, je te donne l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ se dit ceci dans la Bible. J'ai oublié le verset, le chapitre. Il dit ceci. Au dernier jour, alors il y a un monsieur qui dit, oh, Batine, il vient chez Jésus. Il dit à Jésus, oh, Seigneur, est-ce que moi, tu t'avais vu affamé? Pourquoi tu m'as envoyé Nali Felo? Jésus a dit, tu m'avais vu affamé au Pessinga Damajité. Au moment où il est nu, tu ne m'as pas donné les vêtements. Tu m'as vu assoiffé, tu ne m'as pas donné l'eau à boire. Voilà. Il y a aujourd'hui, Jésus-Christ a. Dieu m'a tenu Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus a répondu à comment je dirais, au prochain que tu as fait, c'est à moi que tu as fait. Voilà. Donc Dieu voit les actes. On ne peut pas séparer la spiritualité et les actions. Ça marche de pair. Alors, comme on ne peut pas quantifier, qualifier, comment je dirais, voir la spiritualité, évidemment, ce sont les actes qui vont voilà, nous dire des gens qui sont de la bonne spiritualité. Alors, mon vieux, côté on a dit, il y a Jean-Marie Tshibangu, je te salue. Alors, Jean-Marie Tshibangu, la vidéo de Mobutu avec Ronald Reagan, ne t'arrête pas seulement la vidéo. J'ai fait une explication. Je suis en train de montrer, preuve à l'appui, où nous étions. On avait l'hégémonie en Afrique. Aucun pays parlait en Afrique. Des pays pleuraient en notre nom. Parce que on était soutenu par les Américains. Voilà. Alors, Lelo Oyo, on a perdu cette hégémonie. C'est ça le message qu'on a tiré. On a perdu cette hégémonie. Comment et pourquoi? Et je vous ai signalé que il n'y a qu'une seule personne qui a la recette de récupérer cette hégémonie, c'est Fachi Béton. Laissons-le travailler. Alors, l'info sur les sociétés russes, c'était juste pour vous démontrer que ce sont Bazaba Mindele. Ils agissent comme les Chinois, ils agissent comme les Américains, comme les Français. Voilà, Bazaba Mindele. Il ne faut pas rêver. Hein? Bazaba Mindele. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Nalobi Boy. Les Occidentaux nous font du mal. C'est ridicule d'aller chercher d'autres blancs. Les Occidentaux, ce sont des blancs. Ils nous font du mal. C'est ridicule d'aller chercher d'autres blancs. Car ils ne feront que la même chose que leurs frères. C'est un peu ça. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Jean-Marie Tshibangu a tiré un peu vidéo en haut. En tout cas, et dans les réseaux sociaux partout. Peuple congolais, ce monsieur que vous voyez s'appelle John Poyi. Après plusieurs enquêtes, nous avons trouvé ce qui s'est passé. Vous êtes nombreux. Voilà. Vous avez suivi cette vidéo sûrement. Alors, il s'agit, selon Moutoual Oyo Asali, narration Oyo. Il nous dit que ce monsieur ici, Mpoyi, c'est un agent, un espion des Américains. C'est un Congolais, espion des Américains qui travaille pour les intérêts américains contre le Congo. Nengba Lobby, moi je n'ai pas vérifié l'information. Pona Yeba, est-ce que le narrateur, celui qui parle là, a-t-il raison ou il a tort? Je n'ai pas vérifié. Mais ce que moi je dirais, pour le commentaire que je ferai sur cette vidéo, vous devez savoir ceci. Toutes les ambassades, l'ambassade de Nyons, au moins la RDC, on a Nyons tout. Et ça, là-bas, espion. Vous devez le savoir. Et toutes les ambassades du monde, c'est-à-dire l'ambassade, je prends quel exemple, l'ambassade française en Colombie a des espions. Vous devez le savoir. Moi, je ne suis pas surpris. Je le sais. C'est clair. Je vous rappelle aussi, on aurait une bande.
à l'époque de Mobutu, était un espion. Il travaillait aussi dans les ambassades, je crois en Belgique ou en France, quelque chose comme ça. Il était aussi un espion de Mobutu. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Alors, au-delà de tout ça, ce qui est un peu fâcheux, c'est de voir un Congolais qui fait l'espionnage pour un autre pays contre ce pays, contre son pays. Ça, c'est très fâcheux. C'est ça l'aliénation mentale. C'est ça ce complexe d'infériorité. Parce que vous ne trouverez jamais yo noir, c'est-à-dire RDC, ambassade congolaise en Angleterre, Azali a recruté un Anglais, je dis un Anglais, Mundele, un Anglais, a recruté Ye pour espionner l'Angleterre. Exacté. Et quoi ça les maté? C'est ça le complexe d'infériorité, c'est ça l'aliénation mentale. Et vous devez comprendre ceci. Tous les infiltrés au Bayern à Congo, AFDL, Rouberoua, Kabila, Jeannette Kabila, tous ces Rwandais-là, bah Moïse Nyamurabo, tout ça, ils ont eu à créer des réseaux na Bango. Il y a des espions, des réseaux. Ils ont recruté des Congolais. Naïm Sarabinoro, Tongo Midi Poko, Awa, Naoteng Labino, Franck Diongo, Albert Moleka, Fayoulou. Ce sont des espions de Rouberoua. Et ça, bah, il y a réseau Rouberoua. Bah, Franck Diongo, Fayoulou, Albert Moleka. Bah, liste est belle. Laurent Onyemba. Bah, Laurent Onyemba. D'ailleurs, ça rapide, en gros. Donc, vous êtes surpris. Moi, que je ne suis pas surpris. Bravo la peine de mort. Bravo, Fachi Béton, pour la peine de mort. Voilà. Alors, Mbangu Mbangu. Jeannette Kabila convoqué à la DEMIAP. Donc, une très bonne nouvelle pour la Bissot, ma patriote congolais Kenjomu Kenji, a sepeli ma kasi ndenge ba convoqué Jeannette Kabila Voilà, s'il vous plaît, moi juste un petit commentaire avec mon frère Jean-Marie Chiba où on faisait un petit débat. Je lui ai démontré. Là, je n'appelle pas les. Moi, je donne des faits. Non, on peut ça va fait. Premier élément, les Russes pillent nos minéraux comme leurs frères Mindele Missus, comme les Français, comme les Chinois, comme les Américains. Vrai ou faux? Vrai. Les Russes et leurs frères Mindele, Américains, Français, Anglais, Chinois, avaient imposé un embargo d'achat d'armes contre la RDC que Félix Tshisekedi a découvert et a enlevé. Sauf que tu sais que tu as découvert un côté en barrant aux Atilélo. Vrai ou faux? Battez-vous avec les faits. Troisième élément. Mzé Laurent Désiré Kabila avait demandé une assistance militaire, ce qui a coûté son assassinat, aux Russes depuis 1999. En 1999, Poutine était le premier ministre russe. Vous le savez, il était premier ministre. Poutine vient de réagir 25 ans après. Si vous posez ça, qu'est-ce que vous voulez me dire? Moi, je vous donne des faits. Mundele a ndenge moko. Voilà. Kenjo Mukendi n'est pas naïf. C'est un pro-Congo. Voilà. Alors, Jeannette Kabila, yeyo, m'a convoqué. Voilà. Voilà. Jeannette Kabila convoqué pour le renseignement militaire. La sœur de Joseph Kabila est invitée par l'état-major de renseignement militaire des MIAP. Voilà. L'invitation, la convocation a été faite par le général Christian Nahuel. Et ça l'a marqué le 13 mars. Yangoyo. T'es fait en radio, t'es Yangoyo, va convoquer. Baza, bah, intouchable. Oh, tout ça. Félix Tshisekedi, Lilinga Pamba. Félix Tshisekedi, placebo. Bah, tiens, voilà, pas chauffé qui tient Kabila. Les autres, comme il y a Kangabango. Toko Kangabango Nyonso. Alors, maintenant, vous devez comprendre que c'est une preuve de plus que, sous Félix Tshisekedi, nul n'est au-dessus de la loi. Osa la Kabila, osa la Nani, osa la directeur du cabinet Félix, osa la Nani, ce qui va coûter justice à Rojoyo, Kené Rosamba. Nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, elle doit répondre. Jeannette Kabila doit répondre à la DEMIAP. Et vous devez savoir qu'elle n'est plus députée. Donc,
plus d'immunité parlementaire. Donc, ils ont par hasard arrêté. Cela veut dire que nous comprenons ceci. Ce dossier est un vieux dossier. On l'a filé depuis longtemps. On attendait qu'à immunité parlementaire n'a ici là à le beko. Voilà. Et puis vous savez, il y a une perquisition qui s'était déroulée dans la fondation Nabango, au Nabango et à Genève Kabila. On avait pris clé USB, ordinateur et puis Jeep. Bazu Jeep Oyo. Jeep Wana, Bazo, on l'a dit n'importe quoi. Mais Jeep Wana, c'est une Jeep de la garde présidentielle. Ce n'est pas une Jeep de la famille Kabila. Donc, Bazu Yango, Bazong ici, Yango, na Kan. Na Kan Tchadji. Allez, on apprend que Alain Bolodjoa, en bon kabiliste de première heure et de son, Alain Nogamboka. Monsieur Fanny Sekedi ne se sentira jamais un président plein dès lors que Kabila sera là. Oh. Parce qu'il sait que c'est une invention. Il est une invention de Kabila et il se sent un peu complexé vis-à-vis de Kabila. C'est un président élu et non une invention. Alors, Jean-Pierre. Voilà. Alain Bolodjoa, ne te fais pas. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Et si tu blagues, toi aussi tu seras arrêté. On ne blague plus. Tu vas bien pleurer. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent dire, oh, voilà, il n'y a pas de la liberté d'expression. Il y a des bêtises dans les médias. Il rentre chez lui à l'aise. Hein? Blaguer. Vous allez voir. Alors, c'est un peu ça. Alors, troisième point, l'abisso. Enfin, la levée du moratoire de la peine de mort. La peine de mort en RDC est rétablie. Bravo Fati, bravo ministre Nabiso, il y a justice. En dernière minute, tu as marqué le point. Voilà. Maman Rose Mutombo, tu as attaqué Omingi, Nasuka, ont marqué le point. Vous devez reconnaître ceci. La justice élève une nation. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Et l'or au moussousouté. Donc, bravo, la décision, Oyo, et Zouami. Et on doit reconnaître aussi, Boebi, voilà, c'est ça, levé de moratoire. Il y aura un codième du Kabat. Alors, on va lire un peu. On va lire et puis, on va lire. Levé du moratoire sur l'exécution de la peine de mort de peine de mort en RDC. Alors, voilà, maman ministre, le ministre, ministère de la Justice annonce la levée de l'exécution de la peine de mort en RDC. À l'attention de monsieur le procureur cour conditionnel de la cour conditionnelle, à Tangi Bato Nyonso cour conditionnelle, à Tangi cour de cassation, à Tangi ba magistrate Nyonso tout, à Tangi ba Nyonso tout. Et elle dit ceci. Pendant les 30 dernières années, la partie orientale, elles ont motivé décision naïe. Pendant les 30 dernières années, la partie orientale de notre pays est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes. Cet acte de traîtrise ou d'espionnage, ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité des préjudices subis. Aussi, au cours de la même période, il a été constaté le développement exponentiel dans la plupart de nos grands centres urbains du phénomène de banditisme, d'une grande cruauté, sémant la terreur, la désolation et causant parfois mort d'hommes au sein des communautés. La législation pénale en vigueur prévoit la peine de mort pour certaines infractions. Cependant, depuis plusieurs années, la peine de mort, bien que prononcée par les juridictions, n'est plus exécutée en raison du moratoire sur l'exécution de la peine de mort décrétée
décrété par le gouvernement congolais en 2003. Voilà. Donc, Yangwana a pèsi ma motivation na ye, ministre, le ministère de la justice, et pèsi ma motivation na yango, o ezali, ma motivation moko, légitime. Faut-on reconnaître, on a ma légitime, ma motivation moko, légitime, c'est-à-dire ma raison légitime pour la relever, moratoire en haut. Alors, Yangwana a pèsi en haut, la justice qui est bien là-bas. On va citer quelques actions. Association des malfaiteurs, faut pas dire Mikabango. Trahison, espionnage, participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel. Participation à un mouvement insurrectionnel. Qu'on ait une anga. Ok, yo, bye bye. Jean-Jacques Mamba, Barodien Bikayo. Quand tu viens dans le pays, Barodien Bikayo. Voilà. Et puis, on a aussi dit des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Voilà. Aux codes militaires, aux ce qu'on a dit, code pénal militaire. Désertion de l'ennemi, lâcheté, complot militaire, rébellion ayant occasionné la mort de l'autorité contre laquelle les actes de rébellion sont dirigés. Refus d'obéissance, obéissance de marcher contre l'ennemi. Voilà. Donc, Ezali et Belé Awa, Ezali, Sko et Biloko, il y a juriste. Alors, Nasuka, ce qui m'a encore intéressé, Ezali Souka. Article 202. Vol, détournement et destruction méchante. Vol, détournement et destruction méchante. Yo ministre, yo PDG. Yibambo, Gazit. Tonien Bikayo. Tu seras pendu. Voilà. Bravo. Bravo l'État congolais. Alors, on dit ceci. Le procureur général près de la Cour de cassation et l'auditeur général des forces armées de FARDC sont chargés chacun en ce qui le concerne d'assurer une large diffusion de la présente auprès des officiers sous leurs ordres, déclare la ministre de justice Rose Mutombo. Je vais t'embrasser. Voilà, c'est ça Mboka Zaboui. Voilà, bravo Fatibé. Alors, Mbangu, qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant par moratoire? Un moratoire, c'est quoi? En droit, un moratoire, c'est un accord sur la suspension d'une activité. Donc, vous devez comprendre que non, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui invente la peine de mort. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a inventé. On l'a trouvé. Alors, en 2003, Kabila, le Rwandais Kabila, le Rwandais Rubeyrwa, le Burundais Vital Kamerhe avait placé ce moratoire pour donner la place à l'impunité infinie, au banditisme extrême, le travail de Kuluna, banditisme extrême, résultat, les Kuluna incontrôlés. Enfin, pour protéger le brassage, le mixage, l'infiltration des FARDC. Quand je dis brassage, mixage, infiltration de FARDC, moratoire, wana moussa langweza ki nini, instaurer l'indiscipline dans l'armée, la fin de la discipline militaire dans l'armée. Et aussi, la corruption insolente. Donc, ce qui va zuyo, va dire mikiyo. Alors, il y a mon frère Tony Sala, un jeune intellectuel congolais. Je te salue, Tony Sala. Alors, on a discuté avec lui, il m'a donné ses éléments, on a relouba. Alors, il a essayé un peu, notre jeune frère Tony Sala, un intellectuel congolais, propose une hiérarchisation pour des condamnations de la peine de mort. Pour lui, Alobi Boy, il faut nous pendre peine de mort pour les Congolais de père et de mère. On a ciblé d'abord des Congolais de père et de mère. Kenjo Moukendi ajoute, de père et de mère, les balouba qui vont trahir, c'est-à-dire Moukongo, Mouswahili, Moutabandundu et Moutekwater, ceux basés Belewana. On va d'abord choisir les balouba, les Kassayens qui ont trahi Pandezon. Batoua UDPS qui ont trahi Pandezon. Diebikaï, peine de mort. Batali Bosso, il ne faut pas pendre Bangoana. Balouba, n'a pas Batoua UDPS. Kenjo Moukendi Tony Salané Balubiao. Deuxième degré,
et vous allez à demi Dakar. Demi Dakar, n'est pas au diable Bikabango. Troisième, ce sera des infiltrés rwandais. Tordien Bikaba infiltré rwandais, si côté. Troisième, des aux Alabino. Cible, il y a des bosso congolais de père et de mère, yo moulouba, yo traître. On va te pendre. Jean-Jacques Mamba, ne rentre plus. Tu seras pendu. Voilà. C'est un peu ça. Alors, mon frère aussi, il a ajouté quelques commentaires. Naïe, il a eu à me faire des commentaires. Notamment, il m'a dit, je le sais, il aime Poutine. Kenjomou Kenjo aussi aime Poutine, surtout sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, j'aime Poutine parce que il est contre moi et Tony Sala. On s'est accordé à ça. Parce que il est contre cet agenda. Oh, yaba VOE, yaba PD, yaba homosexualité. Il est contre ma transgenda. Il est contre ça. Biso tozoni ngayamo. Alors, mais Tony Sala dit ceci. Il accepte les arguments que Kejomou Kenji avance contre la Russie. Contre la Russie, ils ne nous ont pas aidés pour chasser le Rwandais Kabila au pouvoir. Quand l'UDP s'est battu pour tomber dans Kabila, Russie, la Chine, ils ont été minerais. Et c'est évidence, pour le Banin. Donc, Mounde Lazara n'est pas mort. Alors, Ndeko Tony Sala dit ceci. Il y a la commémoration du génocide rwandais, de tout Rwandais bientôt. Ils ont exigé l'État congolais à sécuriser tout Rwanda. Parce que, bah, occidentaux, bah, minéle wana, bah, kagame, bah, koko bouma, bah, mnirona, bah, wande, pour porter cette responsabilité, na biso. Alors, et créer, comment ça, prétexte, naïe. Alors, tout temps, on a stratégie, moussou, sa zoloba, koto, te préserver, mais koto, au pays, il faut ton kanga, un infiltré, tout y rwandais. Ton kanga, yango, neti Kabila, neti Bissimwa, neti Roubewa, neti Wili Goma. Wane zali, idée naïe. Et puis, il me parle de l'eto. Les taux se resserrent autour de Kabila. Ah, bah, quand j'ai dit Kabila, les taux se resserrent. Voilà. Et puis, il insiste à Beni Matoi. Tony Sala Beni Vital Kamere Matoi. Vital Kamere Keba. Roubaix-Roi Keba. Kone Nangana Jean-Jacques Mamba, Bino Kana, Bino a déjà fini, terminé. Je suis sur la Bino, vous serez pendu. Alors, n'oubliez pas les policiers, les journalistes, les commerçants, ceux qui vont s'agani, Bino Pe, Bago, Diembika, Bino. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, Tobo Sanate, il y a un peu de sous CTAWA. L'infiltration continue. L'infiltration continue, vous devez le savoir. L'infiltration, il y a un moni, il y a un basu décision. Oyo. Alors, je vais vous parler. Vous avez appris récemment, il y a eu des cités qui sont tombées. Oh, bah, quoi, M23. Alors, 11 officiers de FARDC sont à la barre devant la cour militaire du Nord Kivu. Ces derniers sont essentiellement de la 223e bataillon basé à Lushangi, territoire de Massis. Donc, le mercredi passé, l'instruction de leur dossier qui a entamé quelques jours plus tôt s'est poursuivi. Le ministère public accuse ces militaires d'avoir abdiqué face au M23. Ils sont également accusés d'avoir incité les soldats à l'indiscipline. Bakangi bango, bazali awa donc nansi morot. Yamala balobi na suka balobi a que non. Et voilà, yamala sûrement bakangi bango. Vous rappelez ba cité o ekoyi, ça dit ba militaire wana nyonse tout, bakangi bango, vous devez le savoir. Alors, je suis tombé sur un élément awa. Sûrement, aussi, Bolandi, il y a un monsieur, ce monsieur-là, je l'aime pas, il parle beaucoup plus, madame, il y a ma sécession, il y a Kivu. Mais, Likambo a lobby, oyo, toyokai. Nous avons un adjoint, commissaire adjoint provincial ici, qui s'appelle Monsieur Ngoi Kasongo. Monsieur Ngoi Kasongo, c'est le commissaire adjoint de la police. Ce commissaire adjoint de la police, qu'est-ce qu'il fait comme travail ici? C'est d'aller chercher les jeunes au Rwanda pour les enregistrer dans la police à la République démocratique du Congo. Il en avait fait plus de 6000 jeunes du Rwanda, c'est-à-dire va chercher les jeunes au Rwanda pour les donner les tenues et les enregistrer comme policiers ici, dans la province du Nord. Voilà. C'est tout ça qu'il fait comme travail. Voilà, donc c'est une vérité.
C'est une vérité. Et colonel Wana, général, le général Yuana Ngoyuana, il était convoqué dans le dossier à Mwangachuchu. Voilà. Donc c'est une vérité à l'obi. Donc, devant la vérité, Toro Roloba et le Romoro T. Alors, ma Francine Esther, je te salue. Et c'est Gazali. Ma Francine Esther est tombée sur un élément. Moïse, non, Israël Moutomba, ça dit tweet. Israël Moutomba, ça dit tweet. À l'obi boy. Après la faillite de Congo Airways, la société Transco emboîte le pas. Il y a quelques jours, les bus de cette société ne sont pas visibles dans les artères de Kinshasa. Cependant, l'entreprise accuse le gouvernement congolais de ne l'avoir pas approvisionné en carburant et en lubrifiant. Israël Moutomazo, le Babilokoyo, tout ça pour salir le gouvernement. Allez, bonjour, c'est la Nini, bon, que nous vérifions l'information. Je suis sûr et certain que c'est une fausse information. Oh, bah, Israël Moutomazo, au sala, pour intoxiquer, manipuler la population. Il est temps d'arrêter ce voyou, ce journaleux d'Israël Moutomba. Alors, signature, n'a pas eu sous un document, Moussousou Awa. Signature, il y a cinquième avenant, RDC Chine. Les fonds destinés aux infrastructures routières passent à 7 milliards de dollars américains, soit 30 000 kilomètres de route sur l'étendue du territoire national. Bah, on a signé avenant Moussousou, cinquième avenant. Donc, ça dit que, un avenant, c'est quoi? Un avenant, c'est un acte en droit, un acte par lequel on modifie les termes d'un contrat. Vous savez que l'État congolais et l'État chinois, bah, c'est là qui contrat la barre avant. C'est normal, ça va 2012, ceux qui va 2008, voilà. Bah, 2008. Alors, biso sikoyo, tout ça qu'on changeait, bah, terme, y a contrat. Alors, cinquième avenant, y a un mot, bah, tu qu'on signait. Donc, toi, y a, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, lorsque, quand les fonds seront disponibles, toi, y a, bah, route, nini, oh, ezali, il faut, et ça, les mains, très rapidement. Alors, faut siko, toi, si, ça, la siko, dans ma note, y a, bah, espoir. Alors, bande de biso, y a, Mbujimaï, Kasaï Oriental, RDC, vers l'implantation d'une cimenterie moderne au Kasaï Oriental. Une délégation des experts du ministère de Mines et ceux de la Direction Générale de Pilotage de la Coordination et Suivi, voilà, et une a entendu installer une cimenterie moderne dans le Kasaï Oriental. Donc, après cartographie des informations sur le calcaire. Président de Sayo Mwamba, information y a un autre dans PC Oyo pour vérifier les biso information Oyo. Balobi ba kenagi ba tala cartographie y a calcaire na Mbujimayi na Kasaï Oriental pour ba implanter une cimenterie moderne na Katikuna y a Kasaï Oriental. Ce que Salemi, ça sera une très bonne chose pour le Kasaï Oriental. Bon, moni, ça ce sont des éléments sur le plan des éléments économiques sur le plan structurel pour tout changer économie d'Abisso. Voilà. Bravo Fatih. Bravo les dirigeants. Il y a Kasaï Oriental. Et monsieur Siri, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenji Mukendji. Bye 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 bye. À la prochaine.